Toute cette semaine, The Big Game of Ski va vous inviter à redécouvrir un univers un petit peu à part dans le monde du jeu vidéo. Oui, c'est en fond mutant et un peu mal aimé, on doit avouer, qu'est le jeu en stop motion. Un concept assez paradoxal, sur lequel, pour bien le comprendre, il faut revenir pas mal en arrière. Revenir pas mal en arrière, c'est revenir très loin dans l'histoire du jeu vidéo, puisqu'il faut admettre que dans les 80s, les développeurs étaient confrontés à un gros problème, celui du stockage. Oui, un programme, ça prend de la place. Et ce programme, quand il fait appel à d'autres choses, comme les graphismes, entre autres, et puis la musique, n'en parlons pas, il a besoin d'encore plus de place pour être stocké. Et très rapidement, les joueurs se sont tous retrouvés avec des jeux qui tenaient sur, non pas une, mais deux... 3, 4, 5, 6, bref, des lots de disquettes qu'il fallait soit installer d'avance, qu'on avait la chance d'avoir un disque dur, soit avec lesquels il fallait apprendre à jongler très rapidement. Il se trouve qu'à l'aube des années 90 est apparu ce support, le CD-ROM, le CD magique qui enlevait toutes les douleurs des développeurs et des éditeurs. Puisque d'un seul coup, la capacité de stockage pour tous ces matériaux informatiques se retrouvait multipliée par 100. Et par 100, ça faisait un espace quasi infini à l'époque si on se remet dans le contexte. Et on était là, on disait, oh, on peut mettre carrément des vraies pistes audio plutôt que les couinements des circuits internes de ces pauvres cartes son pas très très évoluées. On peut carrément même mettre des séquences vidéo maintenant. Et il n'en fallait pas moins pour que par l'esprit perturbé de quelques-uns, apparaissent ainsi les premiers jeux en stop motion. Get ready for a brand new. It's Clay Fighter. Hey, what's the hair, man? Oh, mama. La technique du stop motion, vous la connaissez tous si vous êtes fan un petit peu d'animation, puisque c'est un cousin proche qui, au lieu d'animer des dessins image par image, va lui animer des objets entiers image par image. Le principe reste rigoureusement identique, il faut faire chacune de ces damnées images, et c'est long, super long. À ce petit jeu-là, c'est un certain Doug Tenapple qui devance un petit peu tout le monde, puisqu'il crée son propre studio vers les années 1995 pour fabriquer le premier jeu en stop motion qui ait une gueule digne de ce nom. Oui, il a bien compris, comme les autres, que le CD-ROM, c'est un espace de stockage qui est parfaitement adapté à son projet et qui va pouvoir contenir les centaines de séquences de vidéos qui vont assembler tout son jeu. Le concept de Neverwood est relativement simple, puisque c'est un point and click, tout ce qu'on ne fait de plus bateau. Mais là, que se passe-t-il? Ce ne sont plus des gros pixels qui s'animent sur écran, ce sont carrément des séquences vidéo complètes, dignes d'un studio d'animation. Et c'est effectivement un studio de professionnels qu'il réunit derrière lui. Il faut savoir que Douglas Tenapple n'emmenait pas à ses débuts, puisque on l'aura vu travailler entre autres chez Shiny Entertainment, boîte dans laquelle il aura eu l'opportunité de travailler sur le fameux Earthworm Jim. Et si vous n'avez jamais vu ce jeu, je vous conseille de le consulter, puisque pour l'époque, niveau animation, c'était une grande claque. This is the story of Earthworm Jim video game. In outer space, a sweet evil sovereign belongs to Queen Cyberspace suit. Well, it smooshes.
Or in that slimy earthworm Jim. And blammo, he becomes a super-powered hero. He takes out that precious dog. Then that stupid worm goes onto the planet. He even tries mucus spongy jumping. And if that doesn't stop him, maybe the battle with Queen Festering Sweaty Slug for a butt will. Earthworm Jim probably makes. Il s'entoure principalement du compositeur Terry Scott Taylor, un ami de longue date, qui va s'occuper de toute la partie audio justement de The Neverwood pour cultiver en profondeur son genre et son style. What Uncle Terry does is he waits for the muse to visit him before he writes a song. I'm gonna wait right now. Le problème qu'on a de bonnes idées, c'est qu'on peut avoir d'excellents principes, ça n'empêchera pas qu'on n'aura peut-être pas les moyens de les développer. Et la grande chance de Douglas, c'est de pouvoir rencontrer un jour les gens de DreamWorks Interactive, et notamment un certain Steven Spielberg, qui sera totalement conquis par le projet, et donnera son aval et surtout les financements pour mener à bien cette aventure plus que complexe. Autre partenaire de choix qui viendra se greffer sur l'aventure, Microsoft, qui lui aussi a bien compris que le CD-ROM, c'est le cheval de bataille de ces machines que sont les PC. Oui, il n'y a pas que les consoles qui arrivent avec des CD-ROM, il y a également les PC qui maintenant en sont désormais tous dotés en 1995. The Neverwood, c'est donc un jeu en pâte à modeler. Enfin, c'est l'apparence qu'il veut bien se donner puisqu'il y aura bien d'autres matériaux derrière et on sait tous très bien que les petits bonhommes animés qu'on voit sur les écrans sont surtout des structures métalliques avec un squelette qui sont recouvertes généralement de latex et puis qu'ensuite on habille de ce qu'on veut. Le principe du jeu, c'est un jeu d'aventure, tout ce qu'on fait de plus classique. On pointe, on clique, on avance, on explore, on essaie de résoudre certaines énigmes, et il y a quelques phases d'action. Ce qui rend ce jeu tout à fait exceptionnel, en fait, c'est son rendu, puisque effectivement, on est devant des choses qui ont été animées par l'homme, quoi. Et c'est totalement incroyable dans un univers qui était jusque-là cousu intégralement de numérique et de gros pixels. Le spectacle est assez grandiose. À sa sortie, le jeu recevra un succès de classe, comme on peut dire. Oui, c'est-à-dire que les geeks mid-90s fonceront sur ce titre absolument extraordinaire et qu'on mettra plein la vue à quiconque à qui on le montre. Tandis que la plupart des gamers, eux, verront passer ça d'un œil un petit peu distant en se disant « Oui, c'est joli, c'est sympa, mais c'est juste un point and click, les gars. » These discs are all that are left of the true story. True story of the closing of the third age. The Neverwood demeure malgré tout un très très gros succès puisque il sera assez motivant au niveau vente pour donner quelques envies d'en faire une suite. Et cette suite... Un homme mauvais tombe du ciel.
Cette suite ne révélera pas à la hauteur, tout simplement, puisque à trop vouloir en faire, le studio s'égarera totalement dans un gameplay qui est beaucoup plus orienté plateforme et qui correspond très mal à l'univers du stop motion. Après cet échec, il y aura encore des essais sur la licence The Neverwood, notamment Clement Gunhockey, qui reprend un gameplay absolument basique, puisque ça n'est rien d'autre que le fameux jeu de palais qu'on avait sur les premiers Macintosh 128, à part qu'il a été complètement refait en 3D. Oui, adieu la pâte à modeler, adieu le stop motion. Ici, on a un jeu vidéo intégralement numérique, et l'âme de Clement a complètement été dissolue dans le néant. En 2020, il ne reste pas grand chose de The Neverwood à part des bons souvenirs pour les nostalgiques et le regard un petit peu étonné des nouvelles générations qui regardent ça dans une résolution complètement pourrie en 320-200 qui n'a pas supporté la trahison du temps. Yeah, me too. Now, let's get a look at the hull. Yeah, this does not look good. I don't think our pod insurance is gonna cover this. Our deductible is nuts, too. Beak Beak, look at that. What do you make of this guy? Ooh, an omelet. Give me a hand, give me a hand! One, two, three, four. On surprend quelque part à vouloir retrouver un petit peu de cette poésie des choses faites main sur nos machines. Et souvent on se dit un nouveau The Neverwood ou un reboot, je ne sais pas. En tout cas, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Et c'est ce que se sont dit il y a quelques années quelques passionnés qui se sont réunis pour essayer de crowdfunder un retour de The Neverwood. Hélas, ce retour ne se fera jamais, le projet n'ayant pas réuni assez de personnes. Moi, je vais vous laisser sur quelques séquences du jeu. Et puis, je vous invite à découvrir toute cette semaine, maintenant que vous connaissez les sources du jeu en stop motion, d'autres titres qui utilisent les mêmes techniques, y compris des nouveautés qui vont pas tarder à apparaître, comme demain, cette diffusion que je vous ferai de la preview de Papetura.